Bonsoir, nous sommes en ligne. Voilà. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois que vous êtes déjà nombreux et je vois qu'un certain nombre de personnes connaissent notre petit rituel de début, c'est-à-dire, eh bien, pour laisser le temps, en fait, aux personnes qui sont un tout petit peu en retard, hein, moins de 5 minutes, eh bien, nous proposons à chacun de dire d'où est-ce que vous nous écoutez en France ou à l'étranger, pourquoi pas. Et je vois que j'ai déjà quelques réponses. Je vois Chartres, Ciné en Belgique, Langres, voilà, nous voyons aussi Perpignan, Montpellier, Lyon. Et nous attendons, voilà, si vous voulez nous dire un petit peu d'où est-ce que vous nous écoutez ce soir. Paris, très bien. Annecy, ah, ça va être beau. Trois, Haute-Savoie, de nouveau Annecy. Voilà, troisième personne d'Annecy. Ah, je pense que ça a dû communiquer dans ce réseau-là. Düsseldorf, La Celle-Saint-Cloud. Nicole de la Celle Saint-Cloud. Oh, je crois que j'ai oublié tout simplement de faire mes réglages. Donc je vois que le chat n'était pas en mode confidentiel. Maintenant il l'est. Donc c'est normal si vous ne voyez eh bien plus les messages des personnes. Donc je vois Montauban, je vois Laval en Mayenne, je vois Annecy de nouveau. Ah oui, vraiment c'est incroyable. Vous êtes énormément d'Annecy ce soir. Le Mans, voilà, Hambourg en Allemagne. Je vois Paris de nouveau. Merci. Très bien, Poitiers, la Vendée également. Annecy encore. Voilà, super. Troyes. Rennes, Rambouillet. Nous avons quand même deux personnes d'Allemagne ce soir. Voilà, Annecy. Hop, très bien. Eh bien, nous allons, je pense, pouvoir commencer. Ah, je vois, voilà, Boulogne-Billancourt encore. Très bien. Donc, pas mal des Parisiens. Ah, Lille, le Nord. Le Nord nous rejoint. Le Nord nous rejoint petit à petit. Ok. Hop. Je passe un peu de temps pour... Voilà, Francfort également. Ah oui, donc troisième personne d'Allemagne. Le Mans, Pierrefonds dans l'Oise, Varsovie, Perpignan est bien là. Kitry, nous la connaissons. Varsovie, incroyable. C'est vraiment, on touche assez loin. Eh bien, très bien, je pense que ouais, nous allons pouvoir tout simplement commencer. Donc, bienvenue officiellement à tous ceux qui nous écoutent. Désolée pour ce petit manque de réglage au tout départ, mais maintenant, là, je vous confirme que la messagerie est bien en mode confidentiel et de toute façon, je vais supprimer les messages que vous aviez écrits au début en mode public. Voilà, donc bienvenue au jeudi d'Arthège. Chaque jeudi à 21h, donc un auteur Arthège vient à votre rencontre pour partager autour d'un thème et répondre à vos questions en direct. Alors, pour ceux qui nous ont déjà suivis, vous savez que nous avons déjà reçu de nombreux auteurs, dont Monseigneur Rey sur l'islam, le Père Joël Guibert sur le combat spirituel, l'abbé Grosjean sur le thème Donner sa vie. Hein, beaucoup de jeunes étaient présents ce soir-là. Les scouts notamment, Mélina et Pascal Oudot sur Travail et vie de famille, une perspective chrétienne, Gabriel Cluzel également sur l'enracinement, et Blanche Treb sur la bioéthique. Alors, vous pouvez retrouver eh bien, tous ces webinaires qui sont enregistrés sur le site web des éditions Arthège, rubrique webinaire. Et la semaine prochaine, nous recevrons le docteur Patrick Théier, que nous avions d'ailleurs déjà reçu sur les expériences de mort imminente. Et la semaine prochaine, ce sera le sujet « Une autre médecine est possible pour une santé respectueuse de la création, de la vie et de la personne ». Alors voilà, vous pouvez donc le format est toujours le même. Vous avez 1h30 de webinaire avec au début 30 minutes d'exposé, puis 1 heure de questions-réponses avec l'auteur. Et vous pouvez dès à présent écrire vos questions sur la messagerie instantanée, comme je vous le disais tout à l'heure. L'intervenant et moi-même sommes désormais les seuls à pouvoir consulter les messages qui sont inscrits dessus, donc c'est normal que vous ne voyez pas les contributions des autres internautes. Alors ce soir, nous sommes avec Stéphane Blocco. Monsieur Blocco, bonsoir et merci de prendre ce temps avec nous. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication et vous avez mené diverses formations ou expertises auprès du ministère de la Santé, du Sénat et de la Fondation pour l'enfance ou encore de la protection judiciaire de la jeunesse.
Alors, comme nous en faisions le constat la semaine dernière, lors de notre webinaire avec Monsieur Clément sur l'éducation intégrale, nous pourrions presque commencer par dire que nous sommes à une époque où les repères s'effacent et les structures éducatives sont à la peine. En tant que parents, éducateurs ou professionnels de la santé, les mutations numériques peuvent nous interpeller, nous choquer ou nous passionner. Avis aux geeks qui nous écoutent, n'est-ce pas? Mais aux mains des enfants et adolescents, nous savons aussi, bien sûr, qu'un certain nombre d'activités numériques peuvent s'avérer aussi dangereuses qu'attractives. Alors, dans votre livre, Le biberon numérique, que j'ai ici, je vous montre, voilà. Ah, je ne vois plus Stéphane qui a disparu, mais il va revenir. Voilà, donc dans votre livre Le biberon numérique, vous nous partagez donc Stéphane, à nous que vous surnommez avec amitié des migrants numériques, non pas des recettes magiques, mais des pistes de travail et des conseils. Alors voilà, vous êtes de retour, donc je vais vous laisser la parole pendant 30 minutes et pendant ce temps, je recueillerai les questions que vous tous qui nous écoutez pouvez déjà écrire sur la messagerie instantanée. Voilà Stéphane, c'est à vous. Désolé pour cette petite rupture de communication, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Bonsoir donc à nouveau, mesdames, messieurs. Je suis vraiment ravi d'avoir l'opportunité, par ce webinaire, qui est organisé par les émissions Arthège, que je remercie au passage, de vous présenter mon dernier ouvrage et plus largement certainement, mes travaux, de recherche. Alors, 30 minutes, c'est un format court hein, pour embrasser l'ensemble de tout ce que j'ai pu parcourir comme chemin avec les jeunes notamment et les parents, surtout vous allez le voir, sur cette délicate question de l'éducation au virtuel. Je suis un maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, donc c'est le champ disciplinaire de l'infocom qui m'intéresse au sens large, et j'appartiens d'ailleurs à un laboratoire qui est hybride, comme on va le voir, j'aime bien la notion d'hybridation, qui s'intéresse aux questions vives en formation et en éducation. Donc au sein de l'Université catholique de l'Ouest d'Angers, ce laboratoire s'intéresse à la virtualisation, l'idée de la virtualisation, que se passe-t-il dans ce monde de la virtualisation, et puis aussi questionner dans le même temps tout ce qui est altérité et vulnérabilité, c'est-à-dire l'humain face à ce numérique, comment il va se situer, quelles sont les questions environnementales, sociétales, les enjeux éducatifs, éthiques, spirituels. Bref, les questions liées au numérique sont nombreuses. Alors, je suis un objet hybride, moi aussi, puisque j'appartiens à la fois donc au privé, mais en même temps au public. Mon laboratoire de recherche, c'est l'ENSAM, les arts et métiers. Et ce laboratoire, qui dispose d'un grand centre à Laval, dans les Pays de la Loire, travaille sur tout ce qui est présence du corps humain dans les casques et les dispositifs tridimensionnels virtuels, d'où la couverture du biberon numérique, qui permet de déjà prendre la mesure de ce que peuvent être cette immersion, les conséquences en tout cas, de l'immersion totale, intégrale dans les mondes numériques. J'ai toujours oscillé entre l'éducation et la communication dans l'ensemble de mes recherches, avec quatre thématiques principales. La première, ça a été d'abord de travailler sur l'addiction, le nétaolisme, comme j'ai commencé à l'appeler tout au début de mes recherches, cette addiction à la connectivité. Ensuite, sont venues les questions liées entre le réel et le virtuel. Comment se positionne-t-on quand on est séparé, coupé en deux, dans deux sphères? La cybercriminalité juvénile, donc là aussi, quels sont les mauvais usages, les dérapages qu'on peut commencer à découvrir dès qu'on est très jeune, quelles sont les limites qu'on va pouvoir dépasser avec ces outils numériques en main, une fois qu'on commence à les maîtriser, c'est-à-dire très jeune. Et puis, une autre question qui certainement ne sera pas vraiment interpellée ce soir, puisque ça fait l'objet d'un autre ouvrage qu'on est en train d'écrire avec un collègue qui s'appelle Renaud Etier, celle de la cybersexualité, mais qui mérite là encore d'être traitée intégralement dans son ensemble sur une soirée et bien entendu sur un ouvrage.
ouvrage. Comme vous l'avez vu, je suis du côté obscur de la force, c'est-à-dire moi ce qui m'intéresse, ce sont les mésusages du numérique. Alors je ne nie pas qu'on puisse faire des choses fantastiques avec le digital, qu'on puisse survoler la Terre avec Google Earth, qu'on puisse aussi s'enregistrer avec sa guitare, faire des choses fantastiques, créatives, culturelles. C'est pas du tout une négation de toutes ces belles choses qu'on peut faire avec le numérique. En revanche, ma spécialité de recherche, c'est d'aller voir quand ça dysfonctionne, quand justement les outils qu'on leur met en main pour faire ces choses magnifiques et nobles, on en perd le contrôle, eux les dominent et sombrent généralement dans des usages qui échappent à la présence des parents, mais échappent surtout à tout contrôle et surtout à toute éducation. En marge de toute éducation, ils s'auto-éduquent presque à ces mauvais usages du numérique les uns entre les autres, et ils sont pas les derniers à se donner les bons tuyaux pour aller au-delà des limites dans des sphères que les parents parfois méconnaissent et ne peuvent même pas prendre la mesure. Alors c'est mon travail de prendre la mesure, puisque c'est un livre de terrain. Le travail que je mène depuis 15 années, alors pour vous donner un rapide calcul, on est autour de 150 000 jeunes rencontrés, plus proche des 200 000 d'ailleurs. Donc c'est pas un livre Excel, c'est-à-dire c'est pas des sujets que j'ai pu analyser avec des études qui ont été faites par d'autres. C'est vraiment un livre de rencontre avec ces 150 000, presque 200 000 jeunes. J'ai essayé pendant de faire le compte exact, mais c'était vertigineux. Depuis 15 ans, faut dire qu'on me les met par paquet de 200, 300 dans les établissements scolaires. Donc j'ai un beau panel à chaque fois devant moi pour faire des conférences pédagogiques en lien avec ces risques du numérique. C'est pas un recueil de données, le biberon numérique, ça a déjà été fait par des Murgés, très très bien d'ailleurs, hein. C'était la plus spectaculaire des compilations d'études scientifiques sur les risques liés aux écrans, hein. Sauf que quand vous lisez le livre des Murgés, vous allez tout de suite comprendre où je veux en venir. Quand tu termines son livre, tu regardes ton enfant qui est assis sur le canapé en train de jouer à la PlayStation et tu te dis: le mien aussi est un crétin digital, hein, donc c'est pas très valorisant pour sa progéniture, pour soi-même non plus. Et puis on se dit aussi que tout est perdu parce que c'est un peu un livre où le tout est foutu, hein, ressort beaucoup. Hein, c'est pas plutôt une critique, au contraire, puisque je cite l'ouvrage dans le biberon numérique, mais effectivement, ça fait très peur. Ces lanceurs d'alerte font très peur, et souvent ça a un contre-effet auprès des parents, c'est de se dire mais que faire devant cette avalanche de numérique? Alors j'ai tenté de trouver un juste milieu entre un discours qui fait peur, et qu'on a du mal à tenir d'ailleurs, hein, parce que les recommandations d'un pas d'écran avant 6 ans, quand on lit ça, on se dit qu'on est forcément un mauvais parent, puisque nous, il vient de terminer un âne trop ou un Peppa Pig pour tenir la marée 15-20 minutes pour pouvoir écrire un mail tranquillement sans qu'il vous hurle dans les oreilles. Hein. Donc oui, on culpabilise, et c'est souvent le discours que j'entends de la part des parents. C'est une injonction vertigineuse, hein, pas d'écran avant 6 ans. Pourtant, le constat est là, et évidemment que même le, vous l'aurez remarqué, votre carnet de santé qui depuis 2018 a changé, intègre quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on vous dit qu'il ne faut pas mettre un enfant de moins de 3 ans dans une pièce où la télévision est allumée, même s'il ne la regarde pas. Regardez bien votre carnet de santé, vous verrez, pour ceux qui ont un modèle très récent, c'est intégré à l'intérieur. Donc on est sur des recommandations et sur un vrai problème. Donc, il ne s'agit pas de minimiser le problème, mais plutôt d'être réaliste face aux solutions qu'on va pouvoir envisager. Alors il ne s'agit pas de vous refaire le livre ce soir, c'est pas du tout l'idée, surtout en 30 minutes. Je vous propose simplement quelques points de repère. Le premier, c'est celui d'un constat fort, hein, l'accès de plus en plus précoce aux écrans connectés. Et vous voyez, j'insiste sur connecté parce que je différencie la télé passive et l'écran connecté actif, où il va y avoir une relation, une forme d'interactivité. On va être sollicité par la tablette, on va être sollicité par la PlayStation, on va être sollicité par le smartphone. La télé, on la regarde et on s'endort devant. Vous le savez, il y a des émissions prévues pour ça. Hein. C'est en son temps chasse et pêche, ou je ne sais plus, à 2h du matin, vous vous réveillez en faisant sur des bruits d'oiseaux. Voilà. Donc vous vous êtes endormi devant la télévision. S'endormir devant un ordinateur, c'est beaucoup plus complexe. Donc on voit bien que c'est des choses qui sont très prégnantes, mais en même temps très convocantes, ces écrans connectés.
Et puis, on voit bien aussi que ces nouvelles générations d'addicts, elles sont de plus en plus jeunes. J'ai eu la chance de travailler avec Olivier Fan, qui est un PHAN, hein, qui est un addictologue reconnu et qui travaille depuis longtemps. C'est aussi lui-même un gamer hein, sur les pathologies liées aux jeux vidéo. Il nous dit qu'aujourd'hui, c'est désormais vers 7 ans que les jeunes deviennent accros à ce jeu vidéo. Et à ses consultations, il a déjà des tranches de 11-13 ans. Donc, là où avant, il était plutôt sur des 14-15 ans. Donc, on voit bien que là aussi, il y a une descente, hein, une dégringolade de la montée en puissance de ces pathologies liées à la surexposition aux écrans. On sait aussi que sur Fortnite, on a des générations, ce qu'on appelle de bambis. C'est comme ça que les appellent les gamers, hein, les bambis, ceux qui justement ont parfois 6 ans, 7 ans et qui se mettent à jouer avec des adultes, au même niveau que des adultes et avec les mêmes vocabulaires, le même vocabulaire, le même registre, je voulais dire, que les adultes. Alors, depuis des années, je parle de cette connectivité, de cette hyper-connectivité et on voit qu'aujourd'hui, c'est pas les écrans qui posent vraiment un problème. D'ailleurs, le biberon numérique ne parle pas vraiment des écrans, il parle surtout de cette addiction aux autres, à la connectivité. Ils sont accros aux autres et ils ont besoin des écrans pour aller vers les autres. La voilà la véritable équation aujourd'hui de l'addiction au numérique et pas forcément tous ces livres qu'on a pu voir dans le passé, accros aux écrans, les écrans qui rendent fous, ils vont vers les écrans, ils sont fascinés par les écrans. Non, non, ils sont fascinés par les autres et ils ont besoin des écrans pour être en connexion instantanée avec les autres. Aujourd'hui, ça porte des noms. Hein. On parle d'usage problématique d'Internet, UPI, on parle de troubles de dépendance à l'Internet, de TDI. Bref, on s'inquiète. Hein. L'OMS fait des rapports. On a une vraie dimension pathologique. Alors, deux repères sur cette addiction, en premier moment, en tout cas, de nos échanges. C'est de parler, dans le livre en tout cas, de ce que moi j'ai nommé le principe d'adhérence. Par analogie à la peinture, ce principe d'adhérence fait que sur un jeune, ça prend ou ça prend pas le numérique. Et à chaque fois, on me dit, est-ce que c'est une fatalité d'être accro au numérique ? Pas forcément. Et parfois, d'un enfant à l'autre, dans le même foyer, on n'a pas forcément la même adhérence. Sur le premier, ça va glisser. Sur le second, il est dedans et ça le convoque, ça lui parle. C'est pareil pour les peintures, vous pouvez tout essayer sur un support, vous changez de support et la peinture adhère, vous pouvez plus l'enlever. Donc cette idée qu'il y a une sorte de chimie, presque d'alchimie qui va se composer entre le numérique et le jeune, elle est à mon avis très forte et ça évite d'entendre cette question un peu classique de « mais alors ils ont le droit d'en faire combien d'heures, docteur ?» La question est très intéressante et évidemment une des principales posées par les parents, mais ça peut pas être une réponse aussi simple qu'un quota horaire voici appliqué à tel âge tant d'heures. C'est une analyse fine de l'enfant et de ce qu'il est qui permettra de doser la chimie de ces écrans connectés. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le confinement a certainement fait exploser toutes les bonnes résolutions des parents, hein, parce qu'il rassemble toutes les conditions pour favoriser l'excès d'écran. L'isolement, explosion du matériel individuel, le nomadisme, ils peuvent en faire partout et tout le temps, ils se promènent dans toute la maison et c'est plus un point ancré dans le domicile. Et puis l'accélération, c'est-à-dire que malgré le confinement, on a des parents débordés. On n'a jamais autant travaillé, vous le savez, depuis qu'on travaille à distance. Donc on a... il n'y a plus de pause puisque le travail s'est implanté chez vous. Là où avant vous aviez des pauses à domicile, vous continuez à travailler online en temps réel et en permanence. Donc on a des parents hyper débordés, on a du matériel partout et on a des accès individuels. Toutes les conditions sont réunies pour, en plus, couronner le tout. On vous le répète en permanence, ne mettez pas vos enfants dehors. Après 18 heures, c'est pas possible. Mais même avant, c'est dangereux. Serrer la main à un copain, c'est dangereux. Donc, la société de la distanciation physique, elle a été, mais alors, dynamisée par ce malencontreux et ce effroyable épisode du Covid que nous vivons encore. Alors,
je fais mon mea culpa aussi, hein, c'est-à-dire que j'ai donné une interview aux Échos et j'ai eu le malheur de dire aux journalistes que l'âne trot-trot était mon ami parfois, hein, voilà. Donc et qu'effectivement, quand moi aussi j'étais à la maison bloqué et que j'avais besoin d'un peu de temps libre, ça m'arrivait avec ma toute jeune fille de 4 ans. Ça va, ouf, elle a passé les 3 ans, on est sauvé. C'est ce que dit Démurger d'ailleurs, hein, c'est que 3 ans, c'est presque devenu pour les parents, ouf, elle a 3 ans, maintenant elle peut regarder la télé. Vous voyez, donc attention à ces messages aussi, pas d'écran avant 3 ans, parce que ça veut dire que après 3 ans, alors, il y a déjà beaucoup moins de problèmes. Hein, c'est le contre-effet de parfois ces messages qui sont martelés et qui sont dogmatiques. Alors oui, moi aussi, la trop-trop était mon ami parce que j'utilise, malheureusement et malencontrant, cette nounou numérique. Hein. C'est comme ça que je me plais à l'appeler. J'essaie de faire attention, mais vous voyez, je ne peux pas jeter la pierre à celui qui va mettre un enfant devant un écran parce que c'est complexe et que la tentation est grande. Alors évidemment qu'il faut aider les parents et qu'il y a peu de campagnes d'information pour les aider à ne pas sombrer dans ce que j'appelle la... Et c'est un deuxième élément fort du livre, la radicalisation digitale. Alors c'est quelque chose qui a fait un peu peur parce que le terme radicalisation, il est employé à 99% pour la radicalisation religieuse. On voit d'ailleurs que le religieux a absorbé ce terme de radicalisation et dès qu'on met autre chose derrière, ça sonne moins bien. Hein. Radicalisation digitale, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Mais il y a une histoire donc de mais forcément une religion là-dedans. Et puis radicalisation en plus, c'est très lié à l'intégrisme, mais en plus à l'intégrisme islamique. Donc, vous voyez, tout de suite, il y a des sous-entendus, alors que pas du tout. La radicalisation digitale, c'est l'idée qu'on a été absorbé et que c'est devenu votre unique sujet d'inquiétude, de vie, de passion. C'est ça, se radicaliser quelque part. C'est que vous avez éliminé tout ce qu'il y a autour de votre sphère pour vous donner corps et âme à une religion notamment. Et bien là, cette religion, entre guillemets, c'est celle du digital. Il n'y a plus rien d'autre qui intéresse les enfants qui sombrent dans cette radicalisation digitale. Dès qu'ils sont ancrés dans un jeu, regardez bien, ils vont arriver au repas et ils vont vous dire « Ah là là, mais maman sur Fortnite, ah là là, mais j'ai encore fait ça, ou oh là là, mes Pokémon, incroyable, j'ai monté en puissance, mon Roblox, ah là là, incroyable, tu verrais, j'ai des points. » Et les parents regardent d'un air désolé en disant mais on s'en fout de tes histoires de jeux vidéo, hein, parce que eux sont sur un autre registre et pas dans le sujet. Ça fait exactement ça quand vous discutez avec quelqu'un qui est corps et âme pris par une position unique et que tout le reste ne l'intéresse plus vraiment en fait dans la discussion. Et cette radicalisation, quand elle est religieuse, elle se détecte par des signaux. On voit bien qu'il y a des changements de comportement, on voit bien qu'il y a une perte de vie sociale, on voit bien qu'il y a des éléments vestimentaires qui vont changer. C'est un peu pareil chez les enfants, sauf qu'on n'a pas les signaux et qu'on n'a pas appris à détecter les signaux de cette radicalisation, c'est-à-dire de cette matière qui va vous attraper, vous prendre et ne plus vous lâcher. Ça pourrait être notamment un désintérêt pour toute autre chose que le digital, le numérique, les jeux vidéo et les réseaux, etc. L'abandon d'activités progressivement qu'il avait auparavant, l'abandon de l'activité sportive, le manque d'intérêt pour la musique, le manque d'intérêt pour la lecture et encore une fois l'absorption de tout ce qui est satellitaire autre que planter au centre le numérique. Alors, évidemment aussi, hein, on ajoute la violence à la déconnexion, puisque on le voit bien, hein, il y a des violences qui sont faites quand on va vous mettre en rupture avec la matière qui vous intéresse. Et c'est un fait, on le voit bien aussi avec d'autres addictions, l'alcool, etc. Quand tout va bien, quand vous avez votre bouteille, quand vous êtes touché ou frappé par l'alcoolisme, une terrible maladie, mais tout va bien quand vous avez votre bouteille. C'est quand on vous l'enlève que le problème arrive. Et là, les parents reconnaissent, encore une fois, que tant qu'il est devant sa console, tout va bien. Le problème, c'est quand on lui demande d'appuyer sur le bouton stop. Donc, cette idée que peut-être les signaux de la montée en puissance de la violence au moment de la déconnexion, des indicateurs tels que la rupture avec des amis parce qu'ils ne sont pas dans la même guilde, dans la même sphère, qu'ils ne jouent pas au même jeu et que cet autre enfant qui, lui, n'est pas touché par les réseaux ou les jeux, bah, ça l'intéresse pas d'aller jouer avec lui parce qu'il parle pas de ça, justement, et qu'il est un peu étranger à sa sphère. Ce sont des indicateurs certainement de la prégnance ou en tout cas de l'accaparation de l'enfant sur
cette question du numérique. Alors, il y a un principe fort dans le livre qui a été de dire que, et c'est peut-être un discours un peu nouveau, il faut arrêter d'éduquer à la privation. Éduquer à la privation, c'est de dire arrête, t'en fais trop, stop, t'as un quota, j'ai décidé que il est l'heure, encore 5 minutes, mais je viens te redire dans 5 minutes que ah tu as dépassé, alors je te l'enlève pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours. C'est une guerre, je l'entends et je la comprends bien puisque je l'ai vécue avec mes 4 enfants et je la vis encore. Mais elle est perdue d'avance. Pourquoi ? Parce qu'à 18 ans, il va être seul, seul devant cet écran, et que tous ceux certainement qu'on aura le plus privé dans la jeunesse seront certainement, ou peut-être ceux aussi qui vont se gaver une fois livrés à eux-mêmes dans ces chambres d'étudiants. En tout cas, c'est ce qu'on constate, nous, les universitaires, c'est que nos étudiants les plus touchés étaient parfois ceux qui ne l'avaient pas étant jeunes et qui profitent de cette nouvelle liberté pour s'immerger totalement corps et âme à l'intérieur du dispositif. Le process, ça serait de leur apprendre lentement l'autogestion. L'autogestion de ce temps connecté, c'est-à-dire de leur remettre en main les clés de ce temps. C'est difficile, évidemment, ça se fait pas en CM2. Mais ça peut commencer, puisque même avec des CM2, je fais des séances pédagogiques, notamment, je salue tous ceux d'Annecy qui se sont connectés, puisque c'est peut-être pas pour rien qu'ils sont si nombreux. J'arrive d'une douzaine, 13 ou 14, je ne sais plus, conférences pédagogiques en Haute-Savoie. Et effectivement, même avec des CM2, on arrive à travailler cette question de la responsabilisation au temps connecté. Il va falloir à un moment tenter de les responsabiliser, de leur mettre en main les clés en disant « oui, c'est à toi de jouer maintenant, regarde combien tu en as fait ». Mais pour ça, il faut des compteurs, donc il faut les aider à installer ces compteurs sur les dispositifs, à avoir un œil sur le compteur. C'est un vrai travail, hein, de fond certainement, mais c'est bien plus, à mon avis, efficace que de les couper, de les bloquer, de les verrouiller, de les stopper en permanence. Peut-être leur redonner un peu plus de confiance dans leur capacité à dire par eux-mêmes stop au temps numérique, et non pas d'être en permanence entre chien et chat, en bataille, en guerre. J'ai pas dit que, et encore une fois, vous, vous doutez bien qu'il n'y a pas de recette magique dans les écrits d'un universitaire. Il y a simplement des constats et un travail de longue haleine qui permet de dire que voilà ce qui pourrait fonctionner certainement mieux comme solution que d'autres solutions. Et encore une fois, ça s'applique à des foyers et pas à d'autres. C'est le principe de l'éducation, c'est que c'est pas quelque chose d'universel et que ça va être lié à l'enfant, à sa maturité, à sa maturation et à sa transformation progressive en tant qu'adulte. Le deuxième volet, c'est celui de la destruction des frontières de l'intimité. C'est un vrai travail aussi dans le livre. Je suis beaucoup appuyé sur les travaux de Serge Tisseron, sur l'extimité, que je trouve un très beau mot. Bon, c'est pas de lui, c'est de Lacan, hein. Il l'avoue, il l'a piqué à Lacan. Mais intimité, extimité, j'aime bien, moi, ces deux frontières. L'intimité, tout le monde connaît. L'extimité, on y pense moins. Cette pulsion qui fait qu'on a besoin d'être connecté à l'autre, hein, mais surtout de montrer une partie de soi-même. C'est pas pathologique, hein, quand on a 12 ou 13 ans d'avoir envie de montrer sa poitrine sur Internet. C'est quelque chose de choquant quand je dis ça comme ça, parce que on pourrait penser mais oh là là, mais l'enfant a un problème, on a fait une erreur éducative, c'est de notre faute, ma fille est malade, mais pourquoi? Non, c'est juste que tous nous possédons des pulsions d'exhibition et de voyeurisme. Vous en témoignerez, puisque vous aussi, quand vous arrivez dans un cabinet dentaire, vous allez vous jeter sur la revue la plus trash et la plus people. Il y a La Vie, il y a Le Figaro, il y a Luma, et puis il y a Closer. Alors vous allez vous jeter sur ce Closer pour regarder quelle star fait quoi en vacances. C'est ça du voyeurisme. On s'en fout en fait de ce que fait Vanessa Paradis, ou de savoir si elle est encore ou pas avec sa star de mari. Mais on aime ça finalement. Et les jeunes n'échappent pas à ça, bien au contraire. Et on voit le succès des Marseillais à Dubaï, hein, vertigineux de je vous laisse voir un épisode et pour faire votre avis sur l'émission. Mais oui, voir depuis le Loft et Loft Story, on sait que c'est intéressant. Donc ils ont besoin de s'exposer.
Ils ont besoin de montrer une partie d'eux-mêmes et c'est compliqué à gérer, sachant que eux, désormais, ont des outils de destruction massive, puisque d'exposition massive. Donc ils sont capables, en un claquement de doigts, d'aller balancer une image d'eux-mêmes à des millions, des milliards de personnes potentiellement. Je sors d'une émission sur CNews où j'ai redonné cette phrase que je dis toujours aux élèves, tu as publié en privé. Ça me choque, j'entends ça depuis des années. Ils me disent tous, mais monsieur, j'ai publié en privé. Tu as publié en privé, tu sais ce que ça veut dire, publier, ça veut dire porter à la connaissance du public. Donc tu as rendu public en privé. Il y a un problème dans ta phrase. Donc, ce travail sur c'est quoi la frontière entre le public et le privé, on voit bien que le numérique l'a encore une fois atomisé, explosé. Et puis, ce en privé, il ne tient qu'à un petit verrou. Derrière, il se cache, le fameux mot de passe. Le vrai travail avec eux, en tout cas, c'est de montrer que ce mot de passe, ben, c'est une serrure de papier et que quand on élimine le mot de passe, eh ben, en fait, ils ont juste rendu public. Or, il faut savoir que allez, je vais pas donner de chiffres fantasques, mais j'ai quand même tendance à me dire, c'est assez délirant, mais je pense quand même que 7 à 8 fois sur 10, quand il y a un problème de harcèlement, c'est la victime elle-même qui a posé à l'intérieur de son dispositif relationnel une photo compromettante d'elle-même, qu'on lui a prise, qu'on lui a volée, qu'on a republiée, mais la plupart du temps, la photo sortait de son cru. Donc, elle est la première responsable, cette victime, de ce qui lui arrive, puisqu'on exploite une photo qu'elle a mise à disposition du futur harceleur. Donc, vous voyez que c'est compliqué de leur apprendre à travailler sur les conséquences de la publication massive d'informations. C'est aussi des pistes que je donne dans le livre pour ceux qui ne l'ont pas lu ou qui voudraient le faire partager à d'autres. Alors, le troisième et dernier volet, c'est celui de la déréalisation. C'est pour ça que j'ai mis ce masque, ce casque virtuel tridimensionnel sur la couverture. Biberon numérique, c'est aussi parce que, je le répète à chaque une de mes interventions, et je démarre en disant « ils sont biberonnés au numérique ». Je faisais ça depuis tellement longtemps que le titre est sorti naturellement, mais ce phénomène de déréalisation montre que les casques virtuels tridimensionnels arrivent à grande vitesse dans les foyers et que ce sera une seconde génération post-tablette. Vous avez déjà eu bien du mal à gérer la tablette, vous êtes peut-être même déjà en train de galérer avec la tablette parce que vous avez 5 ans de retard, mais le dispositif virtuel tridimensionnel immersif, je souhaite bon courage à toutes les générations de parents qui arrivent ou de grands-parents. On va être dans du casque 3D à domicile et on va avoir à gérer des jeunes qui vont être totalement immergés dans le tridimensionnel. C'est une autre paire de manches. Ils sont déjà absorbés par le dispositif 2D quand ils vont être intégralement absorbés par cette matière numérique. Et je le dis dans le livre, ils sont en rupture avec le vivant dans des dispositifs comme ceci. Il n'y a plus du tout d'humains autour d'eux. Donc aujourd'hui, ça commence par la PlayStation VR, Virtual Reality, qui est une grosse vente de chez Sony, presque ce qui s'est vendu le mieux avec ce Noël dernier qui a fait exploser les ventes, et certainement peut-être dû au confinement aussi. Donc l'idée de s'évader avec un casque virtuel. Alors on a fait beaucoup de travaux avec des tout petits, notamment, j'en parle dans le livre, pour voir un peu ce qui se passe dans cette réalité virtuelle. On l'a fait avec des moins de 6 ans, puisqu'on l'a fait avec des grandes sections de maternelle, et on a travaillé avec ces très jeunes enfants pour voir leur rapport à l'immersion virtuelle. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de tout interdire, il s'agit simplement de réguler, d'avoir des principes de précaution. Peut-être que cette réalité virtuelle va offrir aux jeunes des perspectives d'évasion, fantastiques. Je pense quand même que au-dessous de 12 ans, c'est quelque chose qui, à mon avis, va poser problème à la fois sur le rapport au réel, le rapport au vivant, et en même temps, alors je passe des problèmes oculaires de convergence, d'écran très proche, de nausées, etc., et puis d'enfermement, en fait, du champ visuel. On sait que le champ visuel a besoin, pour se développer, d'être ouvert. Quand on passe des heures dans un dispositif fermé, déjà les écrans et les pièces ont créé des problèmes oculaires, mais chez les jeunes, c'est pas des myopies, parce que c'est pas là que ça se situe, c'est simplement que on a besoin d'un champ et l'éloigner pour développer une rétine, et puis on a besoin également de lumière naturelle, tout l'inverse de ce qu'on fait devant un ordinateur. Alors,
Vous le voyez, les sujets sont nombreux et je pense qu'il va falloir à un moment légiférer. Donc ça serait un peu la conclusion du livre aussi, c'est-à-dire que tout ne peut pas passer par les parents. Il va falloir accompagner les parents, mais il va falloir aussi peut-être à un moment taper dans le tas en resserrant, puisque c'est la mode en ce moment de resserrer, on va resserrer la vis. Cette expression, elle est horrible. Hein. À chaque fois que je me connecte sur les chaînes d'infos et que je fais plein d'efforts pour mettre mon masque et tout le bazar et que j'entends c'est pas bien, on va resserrer la vis, voilà, donc oh wow, c'est terrifiant d'entendre ça. Mais pour une fois, je pense qu'il faudrait resserrer la vis, c'est-à-dire aller vers des dispositifs qui seraient contrôlés sur le plan des réseaux. J'ai fait une proposition puisque j'ai été interpellé par le Haut Conseil à la Santé Publique et cette proposition, elle était de légiférer les accès 4G, 5G sur les téléphones portables des collégiens, tout simplement de ne pas leur permettre d'avoir accès à la 5G, au 4G, avec un téléphone portable, c'est tout à fait possible. Il suffit que l'abonnement ne le permette pas. Point. Donc, je ne suis pas contre le téléphone portable pour les mineurs. Je suis contre l'accès instantané à cette relation permanente avec les autres qui permet de prendre une photo et d'instantanément appuyer et de l'envoyer. Je pense qu'on n'a pas la maturité quand on est un collégien et qu'on peut très bien, à un moment, avoir les fils qui se touchent parce qu'on est en quatrième. Vous savez, cette place merveilleuse où on invente des choses incroyablement drôles pour les autres, mais pas pour les parents. Hein, et de faire la bêtise numérique de base, c'est-à-dire d'aller photographier son copain par-dessus la porte des toilettes et d'appuyer sur entrée. C'est rigolo sur le moment, les conséquences sont terrifiantes puisque derrière, bien entendu, vous avez des jeunes qu'on retrouve qui se scarifient parce qu'ils sont avec des photos qui ont échappé à leur contrôle, etc. Donc les conséquences psychiques sont énormes et on le voit bien, certainement pas à la mesure de ce que pourrait envisager un jeune de quatrième qui ne voit là qu'une petite bêtise. Premier acte, il prend la photo. Si la photo reste sur son téléphone, on l'a limité à 15. Si la photo part avec un abonnement 4G, c'est là que le problème va vraiment prendre de l'ampleur. Donc oui, on pourrait envisager de dire que comme on ne peut pas conduire un scooter avant l'âge de 14 ans, on ne peut pas posséder un abonnement 4G, 5G avant l'âge de 14 ans. Je ne sais pas, fixons-la ensemble, discutons, ayons un débat politique, un débat économique, un débat avec tous les acteurs. Mais je pense qu'on a ouvert les vannes très grands, très vite, très fort, et qu'aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir des parents qui se posent la question, alors qu'ils ont eux-mêmes fait la démarche d'aller dans la boutique pour acheter le téléphone, le portable, parce que c'est pas l'enfant seul qui le fait, et qui viennent derrière dire, mais alors, maintenant, comment je fais pour contrôler cet engin que moi-même je sponsorise? C'est assez étonnant d'ailleurs comme cycle hein, à traiter quand on est en conférence avec les questions des parents. Alors, je pense être à peu près dans les temps puisque on n'est pas loin des 30 minutes qui m'étaient proposées. Et je dirais qu'il va falloir, encore une fois, que les parents eux-mêmes se disent qu'il va s'éduquer au virtuel, c'est pas forcément futile et c'est pas s'éduquer au numérique. S'éduquer au numérique, c'est être capable de faire un live, d'aller se connecter au webinaire, d'aller tout ça, les parents savent le faire. S'éduquer au virtuel, c'est prendre la mesure de tout ce que cette sphère numérique sous-entend sur le déport de l'humain vers la numérisation, avec ce qu'il parfois peut réserver de plus sombre. Je suis sûr et certain qu'il y a un décalage, je le mesure, entre ce que les parents imaginent et ce qui se passe derrière les écrans. Bien sûr, parfois, ils imaginent le pire, mais je suis pas sûr qu'ils aient une mesure de ce qu'est le pire. Les centaines de conférences que j'anime, et les endroits avec lesquels je travaille, la protection judiciaire pour la jeunesse, etc., pour lesquels je fais des expertises, les travaux que j'ai pu me conduire au Sénat et ailleurs, m'amènent à dire que parfois, je tombe encore, moi, d'un immeuble quand on me dit que... alors j'étais la dernière fois dans un collège et puis une dizaine de jeunes avaient vu des vidéos, dont une qui avait échappé au contrôle de la police, c'était il y a un an et demi, c'était le viol d'un bébé par un adulte. Vous voyez ce que ça peut représenter comme horreur dans l'image. Bien sûr, les parents étaient en larmes et les psychologues sont venus. Et bien entendu, là encore, tout le monde a été sans voix. Quand plusieurs jeunes de quatrième ont dit « Oui, bon, on avait vu pire. »
Cette phrase, elle fait froid dans le dos. Je vous passe la dernière anecdote qui est intéressante parce qu'elle concerne les parents aussi de ces deux jeunes consentants qui ont pratiqué un acte sexuel dans les toilettes de l'établissement scolaire. Et évidemment, la réaction a été de dire chez cette jeune fille, bah, tout le monde le fait, c'est pas très grave. Et elle a ajouté, vous savez, hein, j'ai vu comment ça se fait sur Internet, c'est pas comme ça que je vais tomber enceinte. Donc, vous voyez, ça aussi, ça montre que cette société de la surinformation, de l'accès à ce que nous n'avions pas comme possibilité d'information il y a seulement une petite vingtaine d'années, et c'est pas long, 20 ans, finalement, à bien y réfléchir, ça peut poser vraiment question et ça nécessite en tout cas que les parents prennent en main autre chose que le verrouillage des dispositifs, mais aussi quelque chose de plus large que je nomme l'éducation au virtuel. Alors, je ne vais pas vous laisser partir sur un message aussi sombre, et on va partir sur un message d'espoir, bien entendu, parce que voilà, on attribue à Nelson Mandela, qui est un grand homme que j'ai toujours beaucoup observé, que l'éducation, disait-il, est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Je crois que tout est dit et qu'il n'y a pas de raison en tout cas que la sphère digitale échappe à cet adage et que je pense vraiment que tous les parents réunis, peut-être en réseau d'ailleurs, pourraient faire en sorte d'éduquer nos enfants au monde virtuel pour avoir eux-mêmes un cycle vertueux et un futur numérique digital en tout cas beaucoup plus accueillant et beaucoup moins barbare que ce qu'il ne semble être aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci. Alors, une personne demande quelles sont les conclusions de la commission de santé que vous avez évoquée, sur laquelle vous avez fait des recommandations. Alors, il a été dit d'abord que c'était extrêmement complexe de contrôler les accès techniquement parlant, puisque là on va rentrer dans le débat notamment de la pornographie, verrouiller les accès, première chose, donc empêcher les jeunes de voir, en fait, faire un filtrage entre l'adulte et le mineur, c'est quelque chose qu'on essaie de faire depuis très longtemps. Moi, j'appartenais à une commission à l'époque, c'était Laurence Rossignol, qui était ministre de l'Enfance, c'était sous le gouvernement Hollande, et j'ai travaillé pendant plusieurs mois avec tous les opérateurs techniques, y compris les grands pornographes, Dorcel et compagnie, tous ceux qui pratiquent et qui font le commerce de la pornographie pour adultes notamment, et tous étaient d'accord pour dire que c'était compliqué d'appliquer un filtrage enfant-adulte. Donc il reste un seul canal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher un adulte d'accéder librement à un contenu, ou alors il faut qu'il déclare son identité. Mais là on tombe sur un problème important qui est celui de notre liberté d'accès à l'internet. Et évidemment, quand on parle des contenus pornographiques notamment, rares sont les adultes qui ont envie d'utiliser France Connect. Vous savez, l'identifiant pour se connecter à vos impôts, à Amélie, etc., hein, pour aller voir .com. Hein. Donc non, ça va poser un vrai problème déontologique, donc on a dit non. Et aujourd'hui, on laisse ces contenus libres, un simple disclaimer avec marqué moins de 18 ans et plus de 18 ans, et ça passe. Alors qu'on sait très bien que c'est un filtre de carton, hein, comme je le dis aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. En revanche, pour ce qui est de l'interdiction sur les téléphones portables, vous dites bien que derrière il y a des lobbies puissants et qu'on va vous dire qu'il y a des forfaits prévus pour et que c'est aux parents de choisir et que voilà, je pense qu'il faudra, et c'est mon avis, encore qu'on descende un peu plus bas dans l'horreur, je le pense, hein, sincèrement, c'est terrifiant peut-être hein, comme propos, mais je pense qu'il va falloir encore attendre peut-être un an ou deux qu'on ait des faits divers extrêmement violents comme celui qu'on vient de vivre avec cette jeune fille, pour qu'on commence à prendre la mesure du fait qu'ils ont une arme en main, plus qu'un média, et qu'un téléphone portable, c'est un truc rigolo, ou quelque chose qui peut te faire terminer en prison, ou abîmer et casser ta vie. On va commencer à avoir des exemples comme ça, puisque je travaille, j'ai travaillé dans des EPM, établissements pénitentiaires pour mineurs, et on voit déjà les premiers cas de jeunes qui sont derrière les barreaux parce qu'il y a eu ces problèmes liés à l'usage criminel presque hein, de cet outil numérique instantané. Donc pas aujourd'hui pas de prise en charge, et puis vous doutez bien, et je terminerai par ça, que légiférer en ce moment,
Hein, voilà, ça c'est pas de politique, mais je vous rappelle qu'avant le Covid, il y avait les gilets jaunes, et puis qu'après, il y a eu la retraite, et puis après, ou je sais même plus dans quel ordre c'est, parce qu'on se souvient plus de ces vieux problèmes post-Covid, mais qu'aujourd'hui, si vous parlez pas de Covid à la télé, vous n'avez aucune chance d'intéresser qui que ce soit. Donc, je suis pas sûr que quoi que ce soit aujourd'hui sur le plan éducatif, et tant qu'on n'a pas vacciné la totalité de la France, ait une chance de parvenir à l'oreille du public. C'est terrifiant comme constat, mais ça, à mon avis, mis un coup d'arrêt sur la quasi-totalité des réflexions de ce type-là, qu'on n'entend plus d'ailleurs, hein. Il y avait une promesse qui avait été faite, qui était de dire que, il n'y aurait plus d'accès. C'est M. Macron qui s'était engagé à ce que en juin 2021, il n'y ait plus aucun accès pour les mineurs à la pornographie. J'attends de voir, mais on est déjà en c'est ça, en mars, hein, voilà. Oui. Donc ça fait un peu court pour avoir une solution magique qui sort du chapeau en ce moment. Donc vous voyez bien, tous se frottent à ça, mais ont des problèmes de mise en place derrière des dispositifs. Merci. J'ai eu un écho. Oh, ça y est, c'est parti. Les politiques n'ont donc autre question d'un internaute. Les politiques n'ont-ils pas intérêt à laisser faire pour abrutir intellectuellement le plus de monde possible par l'addiction informatique pour une fabrique de moutons acculturés? Waouh! Oui, alors, je fais attention à tout ce qui est. Alors, et je le dis sans blesser personne, je fais attention à pas être traité de complotiste aussi. Vous voyez, il n'y a pas. Je pense à la puissance des lobbies industriels, et ça, c'est une évidence. Je donne des cours en université, dont un s'appelle Théorie des industries culturelles, où justement, je fais réfléchir les élèves à ce que Walter Benjamin appelait les étiquettes mystificatrices du progrès, vous voyez, et de l'innovation. Donc, à partir du moment où vous avancez avec un argument industriel en disant, mais c'est le progrès. Qu'est-ce que vous voulez dire à ah, mais c'est le progrès? C'est que forcément vous passez pour un infâme rétrograde, réac, à l'ancienne, et que vous êtes contre le. On peut pas être contre le progrès. Vous voyez, on voit bien tout de suite que c'est quelque chose qui dérange d'être contre le progrès. On vous dit mais vous pouvez pas retourner la charrette à cheval, monsieur. Faut avancer, voilà. Donc être contre le progrès, c'est compliqué aujourd'hui. Donc les lobbies industriels l'ont très bien compris, et évidemment qu'ils ont un intérêt fort à ce que nous consommions plus. On m'a demandé l'autre jour, comme question, on m'a dit, mais pourquoi ils n'installent pas des timers, etc., des choses? Mais pourquoi faire pour qu'on consomme moins? Donc l'intérêt de Sony, ça se saurait, hein, si c'était une firme altruiste, c'est pas d'éduquer la planète ou de divertir les gens, c'est de faire de l'argent. Donc il n'y a pas d'autre objectif. Quand on analyse aujourd'hui le capitalisme libéral, le principe de base, avant tout, c'est de faire l'argent. Puis d'avoir des notions éthiques, bio, mais la valeur numéro un, c'est de faire de l'argent. Donc, partie de là, oui, effectivement, et tous ont intérêt à ce que nous consommions plus, que nous ayons plus de minutes de forfait, que nous soyons tous illimités, que plus de numérique et plus de consommation d'outils et plus de casques et plus de jouets et plus d'équipements et certainement peut-être plus de distanciation aussi, parce que plus de distanciation égale certainement moins de problèmes sur le terrain. Merci. Question très pratique d'une maman. Que faut-il penser d'une PlayStation non connectée et encadrée en horaire? Alors déjà, si elle est non connectée, elle est moins addictive. Évidemment, puisque je vous rappelle que quand vous étiez face à votre ordinateur et que vous étiez sur le démineur, sur votre PC, oui, vous avez certainement fait ça. Sur les premiers PC, vous avez des petits jeux aussi addictifs que ça. C'est sympa, même sur votre téléphone, quand vous êtes sur un jeu et que vous faites une réussite parce que vous avez téléchargé ça. C'est rigolo, mais très vite, on s'en lasse. Donc, ce dont on ne se lasse pas, c'est la partie entre copains. Donc, dès qu'on est connecté aux autres, encore une fois, ça démultiplie l'effet addictif. Seul contre l'ordinateur, au bout de 5-6 parties de Mario Kart, on a tourné avec son petit karting, on a envoyé des carapaces à droite à gauche, on a accéléré. Oui, quand on dit stop, il arrête.
Il suffit qu'il y ait 10 copains connectés en même temps et que ce soit des parties live, bon courage pour le déconnecter. Donc oui, c'est aussi une solution d'alterner les temps connectés et les temps déconnectés. Et on voit bien que les temps connectés et les parties multiples sont bien plus additifs, comme je viens de le dire. Donc c'est une alternative intéressante. Ça permet de ne pas couper l'enfant de cet apprentissage du jeu vidéo, parce que je ne noircis pas le tableau des jeux vidéo. Une culture des jeux vidéo n'est pas un problème. C'est l'hyperconsommation, la surconsommation qui me pose un problème. Hein. Je prends toujours, mais c'est un dérapage, hein, l'analogie avec l'alcool. Le problème, c'est pas la petite coupette au Nouvel An pour faire bonne année avec des amis. Le problème, c'est les 3 litres de pastis quotidien. Voilà, donc c'est pas l'alcool le problème, c'est la surconsommation. Et souvent, on dit c'est le numérique le problème. Mais non, c'est la surconsommation le problème. Merci. Alors, deux personnes posent des questions sur la notion d'apprentissage à l'autonomie pour les adolescents. Est-ce que vous pouvez développer? Est-ce que vous avez des pistes, des techniques à conseiller? Voilà, comment pouvons-nous avoir plus d'idées concrètes pour aider un ado à se responsabiliser sur ses temps connectés? Bon, ça, c'est des gens qui n'ont pas encore le livre. Non, je plaisante. Mais effectivement, ce travail est conduit à l'intérieur de l'ouvrage avec des petits tableaux qui sont intéressants puisque c'était les premiers moments. Et ça peut se faire hein, seul. On peut être à la maison et à un moment faire une auto-évaluation. C'est-à-dire qu'on peut dire, il faudrait peut-être à un moment que tu te questionnes, toi, sur combien de temps tu en fais. Pourquoi je ferais ça? Parce que c'est un moment intéressant avec toi-même et seul. Donc, j'ai pas besoin d'être là. Vous pouvez l'aider pour rédiger ses petits tableaux horaires, hein, voilà, le lundi, le mardi, le mercredi, et puis on y va. Tu vas travailler seul sur ton auto-évaluation. C'est un déclic. Vous savez, c'est comme ça que fonctionnent tous les addictologues. Ceux qui travaillent avec l'alcool, avec le tabac, la première chose qu'on va faire, on va vous faire compter. Sans ce comptage, il n'y aura pas de déclic. Il faut un moment que le jeune lui-même arrive à trouver, mais c'est pas facile, hein, que ça fait beaucoup. Voyez, tant que pour lui, c'est rien, et tant qu'il rigole quand on lui dit « mais t'en as fait 40 heures », ça va être compliqué. Il va falloir qu'il commence à comprendre que 40 heures, c'est beaucoup. 40 heures par quoi? Par mois? Non, par semaine. Ah oui, mais t'es combien de temps à l'école? Je sais pas, compte. Compte, t'es combien de temps au collège dans la semaine? Vous verrez, il vous sortira rapidement un petit 27-30 heures. Hein. Comme je dis toujours aux élèves, 27 heures de collège plus 3 heures de colle, ça fait 30 heures de présence dans l'établissement. Donc, on est sur un petit 30 heures tout mouillé. Quand il a dépassé le temps de vie au collège et qu'il l'a dépassé allègrement avec du temps d'écran connecté, vous voyez que vous avez des billes pour discuter avec lui. Donc, tout est relatif, hein, comme dirait l'autre. Et encore, que mettez-vous en face comme temporalité, voyez? Donc, il leur faut des points de repère temporels et il faut arriver à parler avec eux de ce point de repère. Et puis, il y a des outils que je cite notamment, qui sont des outils qu'on trouve aujourd'hui sur tous les petits téléphones, qui permettent d'installer des compteurs, donc d'être capable, encore une fois, de se surveiller. Donc, ils ne sont pas du tout réfractaires à ça, contrairement à ce qu'on peut penser. Soit on leur présente comme un outil de contrôle en disant, tu vois, regarde, je vais te mettre un truc sur ton téléphone, ça va arrêter à telle heure. Ah ouais, non. Soit on met un truc, ça compte, et c'est à toi de dire, tu vois bien que t'en as déjà fait 10 heures. Donc, tu verras, quand on a fait 10 heures, arrête. Voilà. Alors, bien sûr qu'il ira au-delà des limites, bien sûr qu'il va tricher, bien sûr qu'il va essayer de descendre un peu le compteur, bien sûr. La guéguerre habituelle. Mais petit à petit, s'intègre en lui l'idée que ça se gère, le temps numérique, et que ça s'auto-gère, et que c'est pas seulement papa et maman qui disent non tout le temps. Ça fonctionne quand on est aller jusqu'à la classe de quatrième. Au bout d'un moment, il faut arriver à leur faire opérer la bascule sur une prise en main de cette temporalité numérique. C'est pas simple, hein. C'est quand, vous savez, je dis à la fin du livre que c'est un je spoil, hein, mais c'est un défi éducatif. Voilà, c'est vraiment un défi ces changements de posture là. Merci. Une personne demande si vous connaissez l'association Lève les yeux. Non. Alors, que pensez-vous du coup des jeux d'échecs en ligne? Je pense que tous les jeux ne sont pas mauvais et qu'on ne met pas tous les jeux dans le même panier. Ça, c'est très clair. Moi, j'ai un enfant de 8 ans qui joue à Minecraft et j'ai moi-même beaucoup joué avec
celui qui vient d'avoir 18 ans. À partir de 14-15 ans, on a beaucoup joué ensemble à un jeu qui s'appelle World of Tanks, qui est très sympa, et qui permet de tirer sur des tanks. Voilà. Alors, on tire, hein, sur, ouh là là, c'est la guerre, mais on tire sur des tanks. On n'écrase pas des humains avec son tank, vous voyez. Est-ce que je peux vous citer une dizaine de jeux ultra violents où quand on tire, c'est pas sur des tanks, hein, et quand on enfonce le couteau dans la carotide, on voit bien le sang qui coule et qui gicle lentement. Il s'agit pas de jouer ou de cautionner des jeux comme ça. Il s'agit simplement, même Fortnite me pose problème puisque même si c'est cartoonisé, on tire quand même sur des humains. Donc on est quand même dans une simulation de meurtre. Et pas de mécanique qui se tire dessus. La bataille navale me gêne moins. Voilà. Même si potentiellement, et j'entends bien, hein, c'est une jolie image, puisqu'à l'intérieur du tank, il y a forcément un humain. Mais il n'est pas là, il n'est pas présent. Alors, vous le voyez, participer à des jeux intelligents, apprendre à jouer aux échecs, mais j'allais dire, attention, pas que des jeux éducatifs. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut que ça soit aussi récréatif. Je ne dis pas que les échecs... Et c'est pas ludique, mais c'est pas fun fun quand même, les échecs, hein, vous voyez. Donc, une petite partie un peu défouloir à un moment, puisque je faisais du paintball aussi avec eux, virtuel, vous voyez. On tue pas, on tâche, c'est pas pareil. Donc, mais ça sert de défouloir, donc ils ont eux aussi, ils ont le droit de se tirer dessus. Mais en même temps, on va trouver des biais qui font que ça sera pas du meurtre, ça sera pas du massacre. Et qu'en même temps, il y a une pratique du jeu vidéo. Moi aussi, je joue à. Et je me méfie de tous les serious games. Vous savez, un jour, j'ai demandé à un jeune, ça veut dire quoi, un serious games? Et il m'a répondu, c'est un jeu chiant. Voilà, je trouve que c'était une très belle illustration de ce que peuvent être parfois les jeux éducatifs. Ou les jouer, c'est se divertir, c'est pas forcément apprendre, vous voyez. Donc, ça peut, on apprend par le jeu, mais il faut pas oublier que des fois, on peut faire des choses futiles, inutiles, simples et légères, en fait, sans que forcément il y ait un objectif derrière, pédagogique ou d'apprentissage ou de structuration de sa pensée. Donc voilà, pourquoi pas investir des jeux comme les échecs, mais aussi tout un tas de jeux un peu moins fun, un bon Mario Kart, hein, ça c'est con comme un boulon, mais mais ça fonctionne bien, vous voyez. Il n'y a pas de, il y a rien, il n'y a pas de réflexion, mais en même temps c'est rigolo et puis c'est d'époque. Merci. Question, est-il vrai qu'il est très facile pour les jeunes de réussir à pirater le Snapchat de leurs amis? Non, c'est pas si simple que ça. En revanche, non, c'est pas si simple que ça. En revanche, des experts mal intentionnés le font facilement. Alors, quand je dis des experts, ça va être soit vraiment des hackers de haute volée, soit des, ce qu'on appelle des lamers, c'est-à-dire des bébés hackers. Le bébé hacker, le lamer, c'est un imitateur du hacker. Donc en fait, il ne sait pas faire, mais il sait très bien reproduire les process des hackers. Il n'a pas la compétence d'un ingénieur informatique, mais il est capable d'aller prendre des tonnes de tutoriels, de bien les digérer, de bien les ingurgiter, et puis derrière, de refaire le process, puisque tout ça est un process mécanique en fait. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, t'enchaînes les étapes et à la fin, ça déverrouille. Voilà. Donc, quand on reproduit les combinaisons et les combinatoires des hackers, on arrive de manière surprenante à faire des choses importantes en cybercriminalité, même si on a 14, 15, 16 ans. Vous voyez? Donc, potentiellement, ces jeunes-là sont dangereux, mais vont très vite être repérés parce qu'ils n'ont pas les compétences du hacker, le vrai, qui lui saura cacher ses traces. Ils sont naïfs et je le dis, des naïfs du numérique. Ce sont pas des ingénieurs, ce sont des super utilisateurs. Donc ça bluffe parce qu'on les voit manipuler. Mais quand on leur demande fais un clic droit sur le code source, c'est-à-dire va sur ta page web, fais un clic droit. T'as jamais remarqué qu'il y avait un bouton avec marqué afficher le code source? Alors oui, une faible proportion d'entre eux rentre dans le code source d'une page. D'ailleurs, vous le ferez en tant que public, hein. Vous allez tout à l'heure sur votre page, vous faites un clic droit, vous faites afficher la source de la page. Boum, le code apparaît. Ça fait peur la première fois. Et évidemment, certains s'emparent de ces codes-là, mais je pense que rares sont ceux qui ont la possibilité, comme ça, en un claquement de doigts, d'aller pirater un Snapchat. C'est pas si simple que ça. Par contre,
Ils peuvent voler les mots de passe des copains et des amis qui très souvent sont notés dans les agendas ou pas très originaux en fait. Et là, oui, on a des problèmes d'étanchéité des comptes. Et puis aussi, probablement, les personnes signalent qu'ils peuvent aussi tout simplement faire une capture d'écran. Bien sûr. Et alors, la règle numéro un avec, que je travaille avec, parce que le livre en fait est inspiré de, et quasiment exclusivement, hein, des conférences que je donne sur le terrain. Donc, ce n'est pas le même discours quand je suis devant les parents que quand je suis devant les élèves, et bien entendu. Et la règle numéro 1 que je donne toujours, c'est « il faut que ton coffre-fort ne soit pas une mise en danger de ton intimité ». Donc, la vraie question, c'est de savoir ce qui se passe quand ça pète. Qu'est-ce qui se passe quand le verrou pète, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans ta boîte? C'est le problème des grands secrets des nazis, etc., qui laissaient par nostalgie, hein, dans des coffres-forts, de quoi les faire envoyer en prison à vie. Hein, c'est incroyable d'ailleurs de penser à ça. On a arrêté des criminels de guerre parce qu'ils avaient, par coquetterie, laissé en place dans des coffres-forts voilà, de pays où on peut enfermer des secrets, des restes, des carnets, des vestiges de leur gloire de nazi. Donc, vous voyez qu'il y a quand même cette idée que se mettre en danger derrière des verrous, quand on pense que le verrou est inviolable parce qu'on sait que cette banque-là, c'est impensable, jusqu'au jour où, ben, où soit la banque est cambriolée, soit il y a une commission qui arrive à faire ouvrir les coffres, soit et on trouve ce qu'il y a à l'intérieur de votre coffre. Et vous avez encore une fois vous-même participé à votre propre perte. C'est assez incroyable. C'est ce phénomène-là qu'on retrouve chez les jeunes. Je le trouve et je le vois. Mais alors, d'une façon, c'est éclatant de voir le nombre de fois où ils se sont mis en danger seuls. Merci. Alors, c'est vrai que vous évoquez en fait une construction identitaire connectée et un risque de schizophrénie digitale. Voilà, vous dites que nous, en fait, lorsque nous étions adolescents, enfin, c'est pas forcément mon cas, mais voilà, nous n'avions en fait qu'à nous préoccuper de notre réel. Et que notre enfant, lui, doit gérer sa quête identitaire adolescente au sein des espaces virtuels dans un même temps. Vous parlez d'une sorte de double peine sur ce sujet. Et une personne, justement, pose une question qui se relie un peu à ce que vous dites, puisqu'elle dit « Que pensez-vous des influenceurs de réseau et de leurs dérives ?» Alors, il y a deux questions un peu dans une. La première, c'est de dire que moi, je suis ultra connecté, hein, donc j'essaie de faire le compte un jour des écrans que j'ai chez moi. C'est vertigineux, je crois que j'avais dépassé la vingtaine facilement, ouais, entre 20 et 30, plus proche des 30 d'ailleurs, vous voyez. Donc j'aime le numérique, j'aime les écrans, j'aime les gadgets, j'aime les jouets. Et pourtant, je suis ravi, à l'époque de mes 18 ans, de n'avoir eu en main qu'un tatou ou un pager à la noix avec un écran LCD. Et je suis ravi à l'époque de ne pas pouvoir avoir été joignable H24. Je pense qu'en fait, ça doit être très dur de se construire. Et je ne peux pas me mettre à leur place puisque je n'ai plus 18 ans. Mais ça doit être très dur de se construire à l'adolescence avec ben, cette pression numérique en permanence sur les épaules. C'est celle-là même que vous vivez, puisque vous savez que dès que vous quittez la maison, on vous appelle. Vous voyez, hein, si votre épouse vous appelle en faisant « t'es où ?» ça fait 4 minutes que t'es parti de la maison, donc statistiquement, t'es au premier rond-point, en fait. Hein, voilà. Donc, mais c'est super important de décrocher pour dire « t'es où ?» Voilà. À quelle heure tu rentres? Bah, comme d'habitude, hein, à 19h, bah, t'es où? Bah, dans 5 minutes, je suis là. Ah, bah, c'est bien alors. Voilà. Très intéressant comme coup de fil. Donc, vous voyez que le fait d'être joignable en permanence, c'est très dur d'avoir une intimité et en même temps de se construire. Donc, la construction identitaire, c'est un regard sur soi. J'aime beaucoup cette phrase « aimez-vous les uns les autres », elle me plaît bien, hein, elle est très sympa, mais je pense qu'elle fonctionne pas tant qu'on s'aime pas. Et s'aimer, c'est un sacré boulot, c'est un truc de fou d'accepter qui on est, ce qu'on est, le corps qu'on nous a donné. Vous voyez le boulot qu'ils ont à faire dans la construction psychique de l'adolescence,
accepter qu'on a cette tête-là devant la caméra. Déjà, à 50 ans, ça fait mal, hein, quand vous mettez les lumières, tout ça, etc. Vous dites, ah, ouais, mais là, c'est pas top, les cheveux, tout ça, etc. Mais eux, ils sont en découverte de tout ça. Et ils ont des écrans en permanence. Ils sont en permanence sur TikTok, en train de se balancer le derrière, comme ça, pour imiter des stars qui ont trois coachs nutritionnels, voilà, et qui ne peuvent pas lutter. Donc, évidemment que... c'est quelque chose d'important, hein, pour eux, ces outils numériques, mais en même temps, il va falloir vivre avec cette idée que cette prégnance fait partie de leur défi, c'est-à-dire qu'il va falloir que eux-mêmes intègrent ces miroirs permanents sur leur psyché. Donc, c'est difficile, hein, de parler de ça avec eux. Se voir en permanence, être vu en permanence par les autres, ça doit être parfois des formes de souffrance. Alors, redites-moi la deuxième partie de la question. Je me suis perdu dans le propos, puis je regardais à droite, on me disait que là, il y avait des gens qui avaient des problèmes de connexion. Donc j'étais, Oui, exactement, mais c'est une seule personne. Ah, je vais expliquer un peu. Ça doit être de son côté. D'accord. Non, il n'y a pas de soucis. Du coup, j'ai perdu le fil de mon propos. Oui. Oui, non, il disait, voilà. Que pensez-vous des influenceurs de réseau et de leurs dérives? Eh bien, c'est ça. C'est pour ça que j'allais sur TikTok, en toute logique. Donc, j'allais sur TikTok pour dire que... Shakira qui a fait une très belle vidéo, hein. Regardez-la, c'est magnifique, hein, où elle a un tanga qui tue avec, et elle fait des espèces de pas de danse comme ça. Et derrière, vous avez, c'est vertigineux, hein, vous tapez sur YouTube les likes, en fait, hein, les fakes de Shakira. Tout le monde a essayé d'acheter le même truc et de se mettre, et toutes les gamines se mettre avec. Tant que ça ne met pas en danger. Voilà ce que je pense. Tant que ça ne met pas en danger la santé du jeune, tant que ce n'est pas aliénant, tant que ce n'est pas la mise en danger d'autrui, tant qu'on n'est pas dans des challenges complètement délirants, tant qu'il ne faut pas perdre autant de kilos pour avoir la taille d'une feuille A4, etc. Enfin, les délires qu'on a pu avoir sur les réseaux. Et tant que l'influenceur est positif, parce qu'il y a des influenceurs totalement positifs, il y a une jeune lycéenne là qui a fait un carton avec un bouquin qui s'appelle Toujours plus, ou voilà, plus égale voilà, tout va bien, sur le positivisme. Je crois que c'est 200 ou 300 000 exemplaires vendus pour une lycéenne. C'est plutôt une bonne influence, en fait. Donc moi, je jette pas au panier les influenceurs, comme je ne jette pas au panier les streamers. C'est-à-dire que j'ai tellement entendu de parents qui me disent: oh, mais regardez, ils sont tout le temps sur YouTube à regarder des petits bonshommes ou des parties de jeux vidéo. Mais monsieur, vous faites quoi au mois de juillet normalement? Vous vous asseyez dans votre canapé avec une bière pour regarder des gens qui pédalent sur un vélo. C'est ça? Waouh, c'est passionnant, hein, mais moi, non, hein. Moi, vous ne me faites pas regarder 10 minutes le Tour de France. Désolé, hein, pour les amateurs de cyclisme, mais je trouve ça consternant. Je m'ennuie profondément. Voilà. Donc, c'est personnel, hein, et ce n'est que mon opinion. Mais je trouve pas ça plus débile, puisque c'est la parole des parents, hein, qui trouvent ça débile, que de voir des petits bonshommes qui s'ajoutent sur un jeu vidéo. C'est juste un problème générationnel et de culture. Vous savez, un grand prix de Formule 1, hein, c'est des voitures qui tournent. Hein, voilà. Laquelle sera la première, mais ça dure quand même 2 heures. Hein, voilà. Les 24 heures du Mans, même la nuit, hein, sous la pluie. Bon, vous trouvez ça forcément intelligent, vous? Voilà. Donc, il ne faut pas forcément chercher des signes comme ça d'intelligence, mais penser que ça les passionne et qu'ils y trouvent un intérêt et que tant que ce n'est pas excessif, moi, ça ne me pose pas de problème. Donc, les influenceurs, positifs, oui. Ceux qui dérapent, ceux qui placent des idées qui posent problème, mais souvent, ils se font allumer, hein, sur les réseaux sociaux. Ils sont très vite montrés du doigt. Je suis pas sûr que Squeezie ou Golden Moustache et tout ça soit négatif pour la jeunesse. Hein, voilà. Donc je suis pas aussi aussi radical que ça en tout cas avec ces gens-là. Tant que ça reste dans un bon construit, quelque chose qui est pas vulgaire, qui est pas voilà. Merci. Justement, cette question du risque de schizophrénie digitale pendant la construction identitaire, est-ce que vous avez des connaissances de maladies psychiatriques qui seraient activées ou même déclenchées par un usage du net?
Alors, on a parlé des troubles tout à l'heure, voilà, les troubles et les dysfonctionnements que j'ai pu évoquer pendant le topo. Non, on a beaucoup parlé d'autisme numérique. Alors, ça fait super peur et j'aime pas du tout le terme. On sait simplement que très jeune, en tout cas, c'est incontournable. C'est-à-dire que un bébé ou presque hein, qui va être mis devant des tablettes. Alors, je vais vous donner une anecdote terrifiante. Non, je n'utilise pas mes enfants comme cobayes, d'accord? Donc déjà, je préviens le public. Mais malgré tout, il se trouve que lors d'un biberon, puisque j'ai une petite fille de 3 ans, donc c'est 3 ans et demi, voilà, donc elle va sur ses 4 ans. Ce moment fort de l'allaitement, je me rappellerai toujours de ce moment où elle était avec le sein et on présentait la tablette. Elle lâchait le mamelon, elle regardait la tablette. Voilà. On enlevait la tablette, elle cherchait le mamelon, elle revenait. On remettait la tablette, elle enlevait le mamelon, elle allait sur la tablette. Voilà. Donc c'est tout simple, hein, comme mais ça vous montre la force d'attraction entre lait maternel, la faim et la tablette. C'est la tablette qui passe devant. On sait aussi que dans les hôpitaux, c'est utilisé pour eh bien, endormir l'esprit. C'est-à-dire que quand le gamin il arrive en hurlant, parce que bah, il va falloir lui mettre une petite perfusion. Hein. Alors, on n'a pas le choix. Voilà, on ne sait pas encore si on va s'en sortir ou pas. Mais vous savez, hein, tous les parents qui ont côtoyé les urgences, c'est-à-dire tous les parents en fait de la Terre, le premier truc, hein, c'est ah, on va mettre la petite perfusion. Voilà, la petite perfusion, il veut pas. Hein. Si vous n'êtes pas à quatre pour le tenir, bonne chance. Donc vous l'allongez, la tablette est au-dessus, vous allumez un truc. Ah, c'est déjà posé. Merveilleux. C'est un puissant anesthésique. Voilà, donc je suis en train de dire que, effectivement, oui, si ça, ce mécanisme-là, rentre en corrélation avec des troubles et des failles, on va vers des maladies psychiques importantes. C'est pas mon domaine, donc je suis pas dans le médical, mais je constate avec les médecins en tout cas, notamment, alors il y a les travaux de Michael Stora hein, qui sont très connus, et puis je vous ai cité Olivier Fahn, etc. Je pense à d'autres encore, mais je pourrais pas vous les citer de mémoire. Où voilà, on a des spécialistes, des psychiatres, hein, donc Serge Tisseron aussi a beaucoup parlé de ces troubles, des troubles de l'attention, des troubles on l'a dit tout à l'heure, de la schizophrénie, c'est-à-dire de la perte identitaire. Je me projette tellement dans mon personnage que je peux quitter le monde des vivants. Et puis, je cite toujours ce garçon de 24 ans, Jordan, qui s'est quand même passé par la fenêtre à 24 ans, tellement il était perdu dans les mondes virtuels. C'était il y a plusieurs années, mais ça avait marqué la France, puisque c'était un des premiers suicides numériques, en fait, hein, où le jeune était perdu, et puis sa connexion Internet s'est coupée à 24 ans, il n'a pas supporté, plus rien ne l'intéressait, il était en manque de travail aussi, puisqu'il en recherche d'emploi, et il s'est passé par la fenêtre. Donc là aussi, on voit bien qu'il jouait 10 heures par jour, et sa mère ne le voyait que quand il allait faire pipi, quoi. Voilà. Donc des cas comme ça extrêmes, oui, on en a. Mais je ne suis pas certain que tous les jeunes soient dans ces excès-là. Bien au contraire, je pense qu'il y a des cas pathologiques qui sont traités par ce qu'on appelle les XAPA, les centres de ressources en addictologie, qui aujourd'hui intègrent l'alcool, le tabac et les addictions aux jeux vidéo. Donc renseignez-vous, il y en a dans tous les départements, ces réseaux d'addictologie. Et aujourd'hui, ils consultent beaucoup. Il y a des consultations très importantes de jeunes de 11 à 14 ans parfois, et avec des premiers cas à partir de 7 ans de dérèglement et de troubles, en tout cas, de la personnalité. Donc, oui, c'est pas un petit phénomène. On n'est pas il y a 20 ans, en fait. Voilà. Il y a 20 ans, vous savez, rien qu'en 2006, quand j'ai commencé à parler de nétaolisme, on m'a au départ un peu ri au nez. En me disant que pff, oh, oui, il y aura des jeunes un peu accros, c'est 2004 Facebook, hein, vous voyez. Donc voilà, mais au départ, on me prenait pour un fou quand j'arrivais avec mes questionnaires dans les établissements scolaires. Je pense pas que ce soit le cas aujourd'hui. Merci. Alors justement, que pensez-vous des établissements scolaires qui mettent les devoirs en ligne, interro en ligne, etc., établissements qui semblent pourtant sensibles au sujet? Nous avons l'impression d'être les seuls à nous battre pour une limitation, car ce nouvel usage donne de nouvelles occasions d'accès à Internet. Ah, alors ça, c'est la question piège. Il en fallait une, hein. Pourquoi? Parce que souvent, je suis invité par les établissements scolaires et que
et que j'ai d'un côté deux camps dans les parents. Il y a les pro-tablettes et les anti-tablettes. Enfin, il y a les pro-numériques et les anti-numériques. Il y a les pro-écoles connectées et il y a ceux qui disent, mais voilà, c'est trop de connectivité. Alors, encore une fois, je pense que c'est l'hybridation et la mesure qui doivent primer. Dans les deux cas, c'est-à-dire que pas de numérique du tout, je pense que c'est une légende, puisque ça, je le laisse pour les, vous savez, les grands patrons des GAFA qui ont réussi cette légende incroyable qui était de dire que tous les patrons des GAFA, alors ce qui est totalement faux d'ailleurs, mettent leurs enfants dans des écoles sans numérique. Renseignez-vous, vous verrez, c'est faux. En revanche, certains l'ont fait, ils l'ont tellement médiatisé que c'est devenu une légende. Une légende sur le net, c'est facile à créer, hein, comme vous le savez. Donc, on oublie de dire aussi que ceux qui ne mettent pas leurs enfants dans des écoles connectées ont tellement d'argent, je vous rappelle que ce sont les patrons des GAFA, qu'ils ont des coachs à domicile après l'école pour travailler sur le numérique. Ce qui n'est pas le cas du boulanger, du plombier, du, voilà, du salarié lambda, hein, qui ne va pas derrière payer un coach numérique après l'école. Déjà, quand il en a payé quelques heures complémentaires de maths, fou, ça déchire pour le budget. Donc, avoir son coach numérique qui vient derrière pour travailler le numérique et uniquement le numérique, ça pose problème. Donc, vous voyez, je pense qu'il ne faut pas retirer le numérique de l'école, mais qu'il ne faut pas non plus faire une école numérique. Tout comme je pense que c'est une folie que de passer au tout électrique et une lubie écologiste, puisqu'on n'en a pas la capacité de production aujourd'hui, on le sait parfaitement, et qu'en plus on va massacrer la planète à coups de métaux rares. Voilà. Donc c'est les énergies fossiles, c'est pas non plus le diable, vous voyez. Donc jongler entre les deux me paraît intelligent. Donc j'aime beaucoup ce terme, je l'ai dit au moins 10 fois, l'hybridation. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien quand on s'appuie sur deux énergies. C'est peut-être d'ailleurs ce qui fait un couple, vous voyez. Donc, c'est cette hybridation de deux caractères, de deux talents, voilà. Les mauvaises langues disent aussi que d'être en couple, c'est gérer, je sais plus ce que c'est l'expression, c'est ça. C'est gérer à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Voilà. Donc, ça peut être valable aussi pour l'hybridation. C'est-à-dire qu'évidemment que ce numérique à l'école, il va falloir qu'il soit contrôlé, mesuré, dosé, et pas que ça soit un cartable numérique qui remplace la totalité de l'écran, que l'écran ne remplace pas le papier, en fait. Voilà. Ça, c'est, à mon avis, un combat, parce que ce sont deux outils complémentaires, et que je ne suis pas pour une société sans papier. Voilà. Je serai certainement, et je l'espère, mort avant que ça n'arrive, mais et je ne sais pas si l'humain ira jusqu'au sans-papier aussi rapidement que ça, en fait, parce qu'on nous l'avait prédit depuis des années. Donc je pense qu'il faut que les parents se rassurent, il y aura quand même une partie, en tout cas, analogique, entre guillemets, hein, dans l'enseignement. Pour preuve, les grottes de Lascaux, puisque j'aime bien illustrer les propos et puis être concret, les grottes de Lascaux, la réplique a commencé par prendre des tablettes à tout va, c'est-à-dire faire descendre les enfants avec des tablettes dans la grotte, voyez. Et puis pédagogiquement, on mettait les classes et d'emblée, tout en haut de la grotte, il y a 300 mètres de descente, les enfants étaient avec les tablettes. Très rapidement, on s'est aperçu qu'ils regardaient plus du tout les fresques, qu'ils étaient en train de jouer avec les tablettes. À mi-parcours, il y a eu des tests qui ont été faits, ils étaient assis par terre dans la descente et ils cherchaient à tripoter la tablette parce qu'ils avaient repéré qu'il y avait un petit chat à un moment qui faisait l'aide. Donc, ils étaient partis sur la tablette et ils s'occupaient plus du tout des gravures et des fresques. Vous voyez, c'était un désastre. Une fois dans le centre vidéoludique après qui termine le dispositif Lasco, là, ils se sont servis des tablettes. Ce qui a été fait, c'est qu'on a retiré les tablettes. Donc, vous voyez, Lasco est revenu en arrière et désormais, ils reprennent un bloc-notes, papier, crayon. Et là, ouf, miracle, on a rallumé la lumière dans les cerveaux puisqu'ils se sont mis à regarder de nouveau. Ah, il y a un mammouth. Ah, voilà. Et à essayer de dessiner un petit crobar sur le papier, sachant que sur la tablette, eh ben, ils étaient en train de dessiner n'importe quoi sauf un mammouth. Vous voyez. Donc, le côté vidéoludique l'a emporté rapidement. Donc, il faudrait pas que l'école devienne un centre vidéoludique, en fait, qui conduit à des mauvais apprentissages.
Réponse longue, mais question déterminante, et je termine par ça, sur ce point-là. On travaille en ce moment sur un gros dispositif avec l'ENSAM notamment, sur une énigme qui s'appelle le loup, la chèvre et le chou, vous savez, où on passe une rivière avec un passeur, etc. Je vous laisserai regarder ça, où ça vous rappellera votre enfance. Et on est en train de le basculer en monde virtuel immersif, c'est passionnant, on est 4 chercheurs là-dessus, et vous voyez comment je suis animé par ces recherches-là, parce qu'elles sont incroyablement novatrices et sympas, ça n'a jamais été fait encore, et on veut voir à quel point l'enfant, quand il sera dans un casque virtuel tridimensionnel, résoudra mieux ou moins bien l'énigme. Voilà. Donc, c'est des vraies questions ce qui se posent. Est-ce que c'est un gadget ou est-ce que ce numérique, une fois qu'on est dans l'action, qu'on est sur le bateau, que je deviens le passeur, va déclencher chez moi une meilleure problématisation? C'est des vraies questions et il faut que l'école se pose ces vraies questions-là. Quelle est la valeur ajoutée? S'il n'y a pas de valeur ajoutée, l'outil numérique ne sert à rien. Et on sait mesurer la valeur ajoutée des outils numériques. Donc, c'est là, à mon avis, qu'il faut démarrer le process. C'est au bout de 2 ans, dans une école numérique, quelle est la valeur ajoutée? Merci. Une personne dit, mais pourtant, on nous rebat les oreilles avec la fracture numérique. Est-ce que c'est un bourrage de crâne? C'était quoi l'autre jour? L'électronisme. Ah ouais, c'est joli ça aussi. Donc, ça remplace l'illettrisme, c'est magnifique. Analphabète digital, j'ai entendu aussi, ouais, c'est pas mal. Je m'avance peut-être, hein, mais je peine à croire à cette fracture numérique. Elle a eu lieu, oui. Elle est pour beaucoup résorbée. Elle était économique, c'était compliqué d'acheter des ordinateurs, c'était cher un ordinateur. Je vous passe le prix de mon premier Macintosh, on pourrait s'acheter une voiture avec. Hein, voilà. Donc Apple, c'était délirant avant, on était sur des produits de luxe. Ça l'est toujours, mais regardez bien, les reconditionnés, les outils de deuxième génération, de troisième génération. On arrive à trouver aujourd'hui des petites tablettes tellement peu chères que on va avoir accès à... Regardez les seniors qui ont investi massivement aussi ces outils et qui aujourd'hui ne sont pas en reste. On le voit bien dans les maisons de retraite, etc. Ils font de la Wii dans les maisons de retraite. Ils ont des casques virtuels dans les maisons de retraite. Donc, je sais plus trop ce qu'on entend par fracture numérique. Oui, il y a une fracture numérique, mais elle est entre la France et l'Afrique, certainement. Oui, là, oui. Oui, parce qu'évidemment, pour voyager beaucoup, je peux vous garantir que dans certaines contrées... Là, il y a une fracture numérique. Je pense que quand on est à 4 pattes dans une rizière, c'est compliqué de savoir si on a éteint ou pas ses flammes sur Snapchat. Et je pense que c'est le dernier de tes soucis. Vous voyez, je me rappellerai toujours de ce moment tragique avec mon plus grand, qui a donc désormais 24 ans, et qui, quand on a fait une croisière sur le Nil, est arrivé et s'est mis à côté de ce petit Égyptien dans la carriole, qui bien sûr parlait pas un mot, et en anglais, il commence à lui parler comme si le garçon de, oui c'est ça, peut-être 12 ans, et parlait couramment le français. Donc je lui ai expliqué déjà que non, tout le monde ne parle pas le français sur toute la planète. Et deuxième point, immédiatement, il lui dit, et toi, t'es bon en Pokémon, en anglais, tu connais quoi sur les Pokémon? L'enfant était buriné par le soleil, il avait des marques un peu partout, et quand on a amené la carriole sur le chemin, il y avait un chien crevé, gonflé dans les égouts sur le côté. Je suis pas sûr que les Pokémon soient sa première activité le soir quand il rentre, sachant que chaque tour de calèche lui rapportait peut-être l'équivalent de 10 centimes d'euros. Voyez, donc ça c'est une fracture numérique, oui je pense, mais elle est beaucoup plus située là, je pense que chez nous, elle est devenue surtout générationnelle la fracture chez nous, beaucoup moins que économique. Merci. C'est vrai que dans votre livre, vous évoquez la réaction parentale qui peut être un mélange de colère ou d'impuissance. Est-ce que on a une éducation par l'exemple à faire auprès de nos enfants? Ben, c'est délicat parce que on est tout le temps fourré sur ces engins-là. C'est-à-dire que l'éducation par l'exemple, c'est de dire « j'en fais pas à table », « je ne m'autorise pas à prendre un coup de fil alors qu'on m'appelle à table », « je vais pas le soir me coller dans le canapé avec l'ordinateur portable sur les genoux et continuer à envoyer mes mails », « je me fais une vraie hygiène en fait comme ça ». Donc oui, bien sûr que ça, c'est le top.
Vous savez, c'est ce sketch de Florence Foresti sur la maman parfaite, vous voyez, que j'aime beaucoup, alors qu'elle arrive en sueur et courant, et qu'en fait, finalement, à la fin du sketch, elle avait réussi à être à l'heure, mais c'est le jour où il n'y a pas d'école le matin. Voilà, donc c'est aussi terrifiant que ça de dire que c'est quoi le parent idéal? En revanche, oui, je pense que s'instaurer, donc oui, vous ferez des dérapages, oui, parce que vous êtes un freelance ou un professionnel ou et qu'il y a ce coup de fil. Et c'est vrai que l'activité en ce moment avec le Covid, c'est showtime, et que là, vous attendez le coup de fil. Bon, bah, vous n'allez pas dire non, non, je suis à table, je donne pas le mauvais exemple, je décroche pas, ou voilà, donc vous décrochez, puis vous quittez la table. Vous voyez, et après, vous allez dire à votre gamin, ah non, 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 hein, pas de SMS pendant les repas. Hein, voilà. Donc, compliquer l'éducation par l'exemple dans la perfection. En revanche, je pense qu'un enfant peut comprendre qu'un adulte n'a pas les mêmes activités que lui. Donc, c'est ça aussi la différence. Moi, on peut pas. Le gamin va pas me dire, moi, je bois pas d'alcool, donc moi non plus. Voilà. Donc, oui, mais moi, je suis un adulte. Toi, t'es mineur. Point. La discussion s'arrête là. Voilà. Donc, il y a un moment, il y a la zone adulte, la zone enfant. Donc, vous avez le droit de jouer aux jeux vidéo si c'est votre passion et que vous êtes un adulte qui justement avait grandi dans les jeux vidéo. Vous avez le droit le soir de faire une partie de jeux vidéo, mais l'enfant va vous dire va au lit quoi. En fait, papa, c'est pas juste. Toi, tu joues et pas moi. Oui, mais moi j'ai pas l'école demain et j'ai plus 12 ans. Voilà. Donc, l'éducation par l'exemple, c'est à mon avis quand même malgré tout de préserver des zones franches pour l'enfant, et de pas conduire vous-même à de l'addiction, c'est-à-dire en favorisant des parties avec lui ou en le lançant sur des, comme font certains parents parfois, hein, sur des activités numériques connectées juste avant le coucher, parce que c'est plus facile de lire une histoire sur une tablette. Vous voyez, oui, mais la tablette, elle va donner tout autre chose qu'une histoire. Il y a plein de gens, hein, qui lisent des histoires des enfants sur des tablettes. Faut dire que les livres coûtent cher. Donc, tu vas sur YouTube et tu as des livres animés et voilà, c'est moins cher que d'acheter un petit bouquin. Aujourd'hui, c'est tout de suite 4, 5, 7, 8 euros. Ben, des livres en PDF, vous en avez des tonnes. Sauf que la tablette, elle va amener à tout autre chose que le livre que vous allez ouvrir de manière magique avec les pages qui se tournent. Et voilà. Donc, l'éducation par l'exemple, c'est à mon avis d'instaurer des règles dans chaque foyer, d'essayer de s'y tenir, de penser qu'on n'est pas un modèle parce qu'on va, voilà, on a une vie d'adulte et qu'elle est connectée aujourd'hui. Délicat, hein, comme question. Merci. Alors nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc je rappelle quand même que dans votre livre, voilà, donc nous n'avons évidemment pas pu faire tous les développements. Voilà, donc dans votre livre Le biberon numérique, vous avez d'autres développements, notamment sur l'usage de la réalité virtuelle. Et j'aimais bien ce que vous disiez sur la nécessité d'une maturité suffisante du principe de réalité. La maturité du principe de réalité, hein, que vous dites, c'est délicat, mais ça va être autour de 12 ans. Aussi sur les principes tout simplement de distinction, en disant qu'il y a le virtuel, ce n'est pas du faux. Il y a vraiment une réalité fictionnée. Là, vous citiez le psychiatre Paul Laurent Assoun. Et puis voilà, qu'on n'oublie pas, vous l'avez dit, hein, pendant tout le long de votre du webinaire, mais voilà, vous le dites au début d'ailleurs, je crois qu'on estime que 38% des enfants âgés de 9 à 11 ans, et c'était en 2018, déclarent avoir déjà eu peur en naviguant sur Internet. Voilà, donc voilà, je pense que là, on cerne un petit peu les enjeux. Donc merci d'avoir partagé toutes ces pistes en fait avec nous. Hein. Bien sûr, vous avez évité le ton et vous disiez un moralisateur, mais c'est vraiment des pistes de travail pour notre relation parentale. Voilà, donc tout le monde vous remercie. Vous pouvez commencer à le voir sur le chat. Voilà, et donc la semaine prochaine, comme je disais, nous voyons avec le docteur Patrick Théier, une autre médecine est possible pour une santé respectueuse de la création de la vie et de la personne. Voilà, avec les effets secondaires de trop de médicaments, hein, les effets nocifs, les errements de la tentation transhumaniste, pardon, le coût économique qui peut être aussi exorbitant. Voilà, peut-être qu'il nous parlera du Covid, on verra, on lui posera peut-être la question s'il le fait pas, sur ce qu'il en pense. Et puis la semaine d'après, ce sera de nouveau l'abbé Grosjean, hein, Pierre-Hervé Grosjean, sur son nouveau livre Être prêt, repère spirituel. Voilà, donc pour essayer de réfléchir à ce que nous sommes faits, c'est-à-dire la joie vraie.
Voilà, donc, eh bien, j'espère tous vous retrouver sur les prochains webinaires. Et puis, merci Stéphane d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir pris ce temps avec moi. C'était un plaisir et un honneur. Merci. Merci. Je rappelle encore une fois, je pense que je l'ai déjà dit, mais que voilà, oui, le webinaire est bien enregistré et qu'il sera dans les jours qui viennent sur le site web des éditions Artege, rubrique webinaire. Je vais vous remettre ce lien avant de partir. Voilà. Donc, vous pouvez, si vous voulez, Stéphane, vous déconnecter. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Merci. Au revoir à tous. Merci.